نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شفيع الشهر الإسلام الله تبارك وتعالى في الخينو أفاكنو نفيع عبادته الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى جير ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله بجيه كني ما في الإنسان الجن اكسبته كي بلا في عبادة بولي إي الله تبارك وتعالى régulièrement lui envoie man saison, lui envoie man moment, lui envoie man jour, lui envoie man mois, afin qu'il nous continue, reste dans l'ibadat Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'il y connaît que nous créons nous, insan, nous créons faibles. Nous ratons, nous gagnons l'autre, nous ratons l'autre, nous gagnons l'autre, nous ratons l'autre, nous gagnons l'autre. Mais il ne faudrait pas que nous, en tant que man insan, et nous gagnons, nous résoudons d'être dans sa dunyana. Si vous faites l'ibadat, nous tout le temps restons ratés même. Nous tout le temps ratés même, nous tout le temps en dehors, ça qui chose qui appelle l'ibadat. Nous dans tout qui chose excepté ça qui chose qui appelle l'ibadat. Alors, c'est vrai, sur l'islam, l'état nous donne le mot ibadat. Nous essayons de comprendre, mais ça, ibadat, là, il n'y a pas même seul ibadat. Par exemple, nous parlons ibadat de salat. Sa ribadat de salat, il est capable d'une obligation pour nous, comme il est capable de nous faire, mais pas comme un acte d'obligation. C'est-à-dire, ben, salat qui fera pour nous, comme un fajar, comme un zohar, comme un asar, comme un libéja, ça est obligatoire, nous devons faire. Mais il y a aussi ben, les autres salat, ben, sunna, par exemple, avant fajar, la sunna, avant zohar, la sunna, après zohar, la sunna, avant asar, la sunna. Après Maghrib, nous la sunna. Après Isha, nous la sunna. Nous la sunna, par exemple, après Wassou, nous la sunna, quand nous rentrons à Masjid. Il y a plusieurs salat comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre dans la charia de l'islam, mais qui n'est pas obligatoire. Comme ça même, rosa. Nous la rosa, Ramadan, qui est obligatoire. Nous la promesse qu'il nous fait avec Allah. Si arrive nous, un certain kitsou, nous pouvons dire rosa, c'est pas rosa qui est obligatoire. Un rosa qui est un raté, un rosa qui faras, qui est obligé. Obligé en place, ou bien ben, Rosa qui est obligé de payer comme ma dette pour expier depuis ma derrière qui est fin commet. Alors tout cela c'est ma Rosa obligatoire, mais aussi la Rosa qui va, ben, Rosa qui n'est pas obligatoire. Alors c'est frère en islam, comme ça même, il y a Zakat qui est obligatoire, et il y a Sadaqa qui nous fait qui n'est pas obligatoire, ben, donation. Mais nous bizarre qu'on utilise reste dans l'ibadat Allah tabaraka wa ta'ala. Le hadith Qudsi. Allah tabarak wa ta'ala les causes, relations qui sont deux types de ribadat en termes de un insan qualifié Allah subhanahu wa ta'ala qui relation qu'il garde avec sa insan là et avec sa même type de ribadat là le hadith Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala les dit à celui qui déclare l'ennemi avec un de nos balouadis un
nouveau man camarade, alors mon beau faire nous la guerre contre sa timonna. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa hadith d'Algia, il dit, il n'y a aucun moment de vérité, qu'il rapproche-lui avec moi, parce qu'il me plie content, qu'il m'a une action qui est obligatoire. Comprends sa partie là bien, pour qu'il nous connaisse, qui a qui action qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plie content. Ben, une action qui est obligatoire. Mais si nous bien envie, rapproche-nous avec Allah tabaraka wa ta'ala, nous, par une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala plie content, c'est nous obligatoirement faire quelque chose qui est obligatoire, nous, nous parmi. Ou bien action qui est bien importante, c'est salat. Cinq fois salat qui est obligatoire, si nous, nous pas là-dedans, mais connaît qui nous éloigne, nous, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est la même qui nous trouve, qui nous a une faiblesse dans les ibadat. Qui est obligatoire même? Ce qui n'est pas obligatoire là, ça, nous finit par dire bataille là. Nous finit par dire. Parce que là, ce qui est obligatoire là même, nous pas présent là-dedans. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala veut faire comprendre qu'il y a une action qui est plus content, qui nous sert pour rapprocher nous avec lui, c'est une action qui est obligatoire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dans sa hadith Qudsi là, il dit qu'il faut m'en servir, je ne vais pas continuer, rapproche-toi avec moi. Par une action qui n'est pas obligatoire. Par une action qui nous dit avant sunna ou bien avant nafil, hatta uhibba. Jusqu'à qu'il me condamne sa servité là. Alors, une action qui n'est pas obligatoire, quand nous faisons, qui nous gagne, nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous gagnons l'amour Allah tabaraka wa ta'ala. En gros, nous avons envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala condamne nous, nous bisez faire une action qui n'est pas obligatoire. Faut n'est pas nous vivre ça dans le monde, qui par exemple, un grand djimoun conseille un jeune qui dit à lui après Namaz Faraz par exemple, mais fais des rakats sunnat là, mon bête après de sortir. Ou gagne une réponse qui, comment dire, ça djimoun là, au lieu qui lui fait cette action là, lui prend sa conseil là, ou bien au moins, il ressentit qu'il y a un certain manquement dans lui. Les dires qui n'est pas obligatoire, ça non. Ce qui est obligatoire, là, mais viens où aller. C'est là qui est bien. Ça dit moun qui peut conseiller là, ou bien ça dit moun qui va me prendre conseil là. Ça dit moun qui va me faire sa action là. Guette là, actuellement là, nous tenons dans sa saison de ribadat là. Dans le mois de Muharram. C'est un premier mois sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait décréter parmi ça, ça 12 mois là. Nous tous les causes, un premier mois ibadat qui nous habitue, tendez ou bien nous habitue, tendez ou bien nous habitue, causez, nous habitue, explique du monde, là c'est Rosa Ashura. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, dans le moment que nous traversons la Dhul Hijjah. Nous faisons des faux gardes à 9 premiers jours, bien, par le commencement jusqu'à le jour de Arafat. Mais après, j'ai fait sûr en islam. Il ne faudrait pas qu'il commence à nous laisser ça dans l'occasion là. Il ne faudrait pas qu'il nous pédit ça dans le sens là. Il ne faudrait pas qu'il nous pas réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala libérait ça pour nous bien. Pour nous bénéficier, pour nous gagner l'amour de sa créature, Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, c'est frère sur l'islam, je vais vous donner un petit peu, concernant la rosa, qui n'est pas obligatoire, mais c'est moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attache beaucoup l'importance avec sa rosa là, et qui va récompense, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner pour chacun de sa rosa là. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Injimun qui dit en rosa pour le plaisir d'Allah tabaraka wa ta'ala, automatiquement ça lui englobe rosa faraz, et rosa qui pas faraz, li garde ça sincèrement pour le plaisir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala éloigne sa personne là depuis qu'il fait l'enfer, une distance qui prend 70 ans pour te voyager, pour parcourir. Alors, c'est fait sur l'islam, quand nous pouvons gagner l'occasion pour faire,
Nous ne pouvons pas dire 10, nous ne pouvons pas dire 20, nous ne pouvons pas dire un mois, au moins une semaine, au moins deux mois, nous gardons un rosa. Qui est-ce qui peut gagner? C'est le monde qui me garde le rosa. Qui est-ce qui peut gagner? Sa récompense qui est mentionnée dans un hadith là. Deuxièmement, les rapprocher avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et troisièmement, les gagner l'amour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que celui qui gagne l'amour Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans un hadith qui est mentionné au commencement là, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a se oreilles avec qui écouter, m'a se dire avec qui les trouver, m'a se l'amener avec qui les attraper, m'a se dire avec qui les marcher. Alors n'importe quand il demande moi pardon, me pardonne, n'importe qui il demande moi me donne. Alors pour nous vivre sa personne, il faut dire nous dans sa manière ibadat, qu'Allah tabaraka wa ta'ala il met pour nous là, il met pour nous, retiens bien, il met pour nous sa ibadat là. Ça, c'est ce rosa de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sang en Ramadan, il y a un sang en Shawwal, il y a un sang en Dahar. Celui qui garde le rosa Ramadan, en rythme, il garde le rosa Ramadan. Ensuite, il garde 6 rosa dans Shawwal, il est comme si j'ai dit qu'il garde le rosa toute longue année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il explique comment ça vient, comment dire, rosa toute longue année. Alors quand les jours rosa Ramadan, les comédiens gardent rosa 10 mois et ça 30 jours là, comédiens 300 jours 10 mois et ça 6 jours de Shawwal là, les comédiens 60 jours 2 mois encore 10 mois avec 2 mois, les fait 12 mois, comédiens 1 an, les fin gardent rosa. Parmi man rosa qui sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre en face là, c'est ça rosa de Dhulhijja. Dhulhijja traversé. Tout le monde qui est là parmi nous, ça qu'elle n'est pas arrivé à lui-même, ça 10 premiers jours là, c'est 10 meilleurs jours de l'année. 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est 10 meilleurs jours de l'année. Ben ribadat, dans sa ben premier jour de Dhul-Hijjah là, il n'a plus valé, et Allah subhanahu wa ta'ala, plus content sa ben ribadat là. Ça qu'elle, les vagues de lui-même de sa 10 premiers jours de Dhul-Hijjah là, comment il parvient ici au moins? Moi, je suis dans Allah, ou bien je suis dans l'ibadat Allah. Moi, je profite, ou bien je vais profiter. Parmi ma rôle, parmi ma ribadat, qui est très important, avec le mot de Salah Salam, il me met en face, c'est God de Rosa. Lui-même, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il garde 9 premiers jours. Il n'y a pas depuis le premier jour de l'entrée, premier jour de l'Hijja jusqu'à le jour du Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Living God Rosa. Et bien sûr, nous sommes dans sa 9 premiers jours de Rosa, qui nous capable de garder dans sa commencement de Dhul-Hijjah là, Rosa qui est plus important, bien sûr, qui est plus important pour nous garder Rosa, pour man qui va dans Hajj, c'est jour de Arafat. Et jour de Arafat, c'est jour qui va dans Hajji, dans sa place qu'appelle Arafat, et dans l'Arabie Saoudite là. Qui récompense que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient nous gagner? Quand tout le monde qui garde le rosa de Arafat, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est questionné concernant récompense qui gagne qui garde le rosa sur Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yukaffir as-salat al-madiya wal-baqiya. Alors il efface mon péché qui viendra pour l'année, qui viendra verser, et il efface mon péché pour l'année qui peut venir. Et ici, bien sûr, nous faire ressortir qu'il efface mon petit péché. Mon grand péché, nous visons faire taouba. Nous visons demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Mais si vous êtes dans l'ibadat, automatiquement, les pouvez estirfar avec taouba, vous êtes parmi de ce bon ibadat qui est bien important. Mais faut dire dans l'ibadat, c'est si vous n'êtes pas dans l'ibadat Allah tabaraka wa ta'ala en général, les gens péchés, c'est si vous n'êtes pas fait cela. Les gens visent le coquin. Il n'y a pas besoin de la médecine, il n'y a pas besoin de tout le monde, il n'y a pas besoin de cela. Il n'y a pas besoin d'empêcher. Il n'y a pas besoin parce que c'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette en nous
l'aumône musulman, qui sont des primos, qui ont un âge de propriété, il n'y a pas aucune petite chose qui peut empêcher de faire soi là. Il n'est pas bizarre de commettre notre péché, il est empêché. Mais soit là, si il va bien faire, il va demander au bas. Soit là, si il va bien faire, il va dire c'est dans une balle de maliste fort. Soit là, si il va bien faire, il va dire que God nous a lundi, j'ai dit. Soit là, si il va bien faire, il va dire que vous avez fait un sunnah avant Fajr, fait un sunnah avant Zohar. Faras, il va bien faire. Alors, chers frères et sœurs en islam, il y a un beau temps pour nous comprendre et qui prenait les petites choses, les petites choses qui faras, et ensuite, les petites choses qui sunnah. Nous continuons concernant la rosa. Qui sunna, c'est Rosa le mois Sha'ban. Sha'ban, c'est le mois qui est avant Ramadan. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est un dimon qui est en train de lire. Il commence à s'habituer avec Rosa. Parce que comme Ramadan, nous connaissons, c'est un mois qui vise à savoir. Par le compte, sallallahu alayhi wa sallam, même il appelle ça mois-là, le mois de Ramadan, Shahr al-Sabr. Le mois de Sabar. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fin God, beaucoup rosa dans le mois de Sha'ban. Et il nous fait ressortir que dans le mois de Sha'ban, nous pardonnons le mois au complet. Quoiqu'il y ait un hadith al-Musallama, un poème de Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les amis ont remis tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans 2 mois rosa à suivre, excepté rosa Sha'ban et rosa. Ramadan. Mais j'ai quelque part, nous ne comprenons pas qu'il doit être le mois Sha'ban et également le mois Ramzan. Mais Aïcha radiallahu ta'ala anha, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zami, il n'y a pas de mois rosa au complet excepté dans Ramadan. Alors, il peut faire ressortir qu'il n'y a aucune contradiction entre, ça dit madame le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, ce récit que je viens de rapporter, mais au contraire, elle explique le blala. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha, libéraux de faire comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tchrigotes, beaucoup rosa dans le mois de Sha'ban, mais pas le mois au complet. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, qui fait les tchrigotes rosa et dans Sha'ban, à part qui, c'est l'écho où commence à habiter avant de rentrer dans le mois de Ramadan, c'est parce que dans le mois de Sha'ban, Manakshu est élevé au bête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les petits montants qui sont action qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala est parmi ces libégats de Rosa. Parmi les Rosa qui sont là, nous gardons 3 jours Rosa dans un mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'explique les Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Ça trois jours d'un mois là, c'est les 13, les 14 et les 15 mois islamiques. Les 13, les 14 et les 15 d'un mois islamique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs hadiths qui les causent concernant ça. Et lui-même, pour montrer sur l'importance, ça trois jours rosa là, rosa les 13, rosa les 14, rosa les 15 d'un mois islamique. L'île de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les petits en voyage ou bien les petits en voyage, les petits peuvent quitter sa 3 jours rosa. Et sa 3 jours rosa là, un parmi l'effet qui est extraordinaire, qui m'a dit que quand sa 3 jours rosa là, je vais gagner, ça c'est bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'idée, est-ce qu'il m'a pas informé, quelque chose qui enlève rancune depuis la poitrine? Alors, les dieux gardent sa 3 jours rosa là-dedans, dans chaque mois. Nous connaissons qui est l'islam. Nous connaissons nous-mêmes qui qualité, comment dire. Nous pouvons bien la qui est nous-mêmes, mon pardonne-lui, mon pas pardonne-lui, mon garde-lui d'un petit blast, comment dire, comment un petit mot. Comment mon gagne-lui, mon coin. Comment tout connaît, comment dire. Il est chill, nous pas dire ça, là pas ça, là, il est chill, nous pas dire moi, ou il est chill, nous pas dire est-il, pas est-il. Alors, nous connaissons l'islam. Sur mentalité, nous connaissons ça, sur nafs, sur l'équerre. Est-ce qu'un nafs n'aime pas? Mais qui te parle pas de ça? Tu parles de l'équerre qui est déjà toi là? Tu parles de l'équerre qui est déjà toi? Alors, rancune, c'est un peu une maladie qui ronge l'équerre là. Mais on se dit, est-ce qu'elle a l'air? Par exemple, la loi, j'ai dit, on a dit, moi, t'as de l'équerre toi. Comment j'ai de l'équerre qui fait? Parce que ça va une maladie infinie, ronge l'équerre, infiniment ça l'équerre. Parmi ma dose,
qui sont nos frères et sœurs en islam pour garder, c'est Rosalind Jizéji. Comme ça même, Rosalind Jizéji, ça des jours-là, en passant, c'est des jours qui sont l'action mondiale. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une parole, à ce moment-là, sahaba radiallahu ta'ala, à nous, qui dit qu'on a fait une action, mais qui va dire là, l'idée de l'état de Rosa. Lundi en particulier, un bédouin, tu viens de demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant sa zoula. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire ça, il y a un peu plus, comme je dis, il y a un peu plus chaouk, pour les gars de Rosa, il y a sa zoula, mon connaissance. Et sa zoula, mon gars est révélation, je dis, mon vin prophète. Imam Ahmad rahmatullah alayhi dans son hadith, il a ajouté les gens qui s'ajoutent là lundi, le Prophète sallam est mon essence, le Prophète sallam est mon prophète, le Prophète sallam est fait hijra, le Prophète sallam est gadda malina lundi, et le Prophète sallam est arrivé sur wafat sur lundi. Subhanallah. Ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala bien envie nous faire pour qu'il nous rapproche nous avec lui et qu'il vous lit en retour, lui donne nous l'amour. C'est ça, ben, ça, ben, ce coup-là, et c'est ça, ben, le moment-là. Alors, chers frères et sœurs en islam, et comme ça même, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des causes concernant Rosa lundi, et que je dis, ce ben, les faits, c'est un djimoun qui gagne pas au nom, parce qu'il a pour djanna, ouvert dans lundi, et que j'ai dit. Tout djimoun est pardonné, condition, que djimoun là, vis-à-vis d'un adam, il est bizarre, ben, à shirk. Il est bizarre, ben, être associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans mon haq, dans mon droit, qui existe Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai dans l'ibadet, les misères parmi d'associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, où existe Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté des catégories du monde. Les gars, ils ont acheté dans l'île, mais seulement s'il y a sa qualité là dans l'île, il va vous gagner pour nous. Un du monde qui a l'ennemi avec son prochain, et un deuxième du monde qui casse les lâchons avec son prochain. Dans le hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans des hadiths différents, qui tout le monde qui est pas accepté, ça a des catégories du monde. Un du monde qui casse les relations de son prochain, et un du monde qui est dans l'ennemité avec son prochain. Un autre, Rosa qui sunna, c'est Rosa Daoud, alayhi salam. Rosa Daoud, c'est un du monde qui garde un jour Rosa, un jour n'est pas gardé. Un jour il garde, un jour n'est pas gardé. Un jour il garde, un jour n'est pas gardé, bien accepté. Le mois de Ramadan, les gars, ça vous comprenez, tout ce moment-là, tout ce moment-là, tout ce moment de l'ibadet qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous l'occasion pour nous faire là, si nous ne pouvons pas faire tout au moins là. Au moins, tu quittes là-dedans, fais nous-mêmes, fais ces efforts-là, et, comment dire, fais quelque chose pour nous propre bien, pour nous bénéficier nous-mêmes, pour nous profiter nous-mêmes, afin que nous capables, rapprochons-nous avec Allah et que nous ayons l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه وصلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه شفعي سوان إسلام روزة في بفين دوانونا غير جو سي روزة عشورة روزة عشورة سي جيشم زود محرم بقول صلى الله عليه وسلم لجا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم مية روزة أبي روزة دي رمضان جمع روزة كي بأوبليغاتوا أبي روزة دي رمضان سي روزة محرم لبوغة صلى الله عليه وسلم يمنيش بيغاتسا روزة لأيه نودن بوغاتسا روزة أرسلت لبوغة صلى الله عليه وسلم من مدينة لبوغة صلى الله عليه وسلم لتغوف من جيف بيغاتسا روزة لأيه في الدماضي Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait hijra vers Medina. Medina, c'est un bon parti juif qui tu veux rester. Alors, il me demande, mais qui fait avant la garde sa rosa? Alors, le jour Ashura, les beaux qui nous connaissent, c'est ce même jour qui plie grand tyran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne lui l'amour, lui, avec son armée. Pharaon. Le jour Ashura,
Allah subhanahu wa ta'ala fin sauve Moussa alayhi salam contre Pharaon et Solomon. Donc c'est terminé, ça se voit, fini. Alors, quand tu as dit que Moussa, la cause Moussa alayhi salam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Moussa alayhi salam, il n'a plus droit au moi qui va me suivre. Alors, moi, vous avez dit que ça rose là qui va maintenant. Et les filles, ben, musulmans, gâte ça rose là. Et en dernier, chef de l'islam, islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte Mecca après Hajjatul Wada, Hajj, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire, quand il retourne Medina, l'indie à son compagnon qui nous disait faire les contrées de ce qu'il va nous faire. Et ça, c'est basé dans l'ibadat, dans tout. Dans toute action. Quand je dis que le rosa, c'est le 10 Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si mon gars, le coup, le dit si mon ami, le zoo Ashura, il finit gardé, le salanik, il s'aime dans les mois, il vous gagne l'amour, il dit si l'année prochaine, mon coup là, mon coup garde les 9 ensemble avec les 10. Mais malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, et le qadar Allah ma sha fa'al, Allah subhanahu wa ta'ala fini décret wafat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas fait un récit médecin en pratique, mais il fait un petit message là à sa oumakka. Alors, lui qui nous garde 10 les 10, celui qui garde 10 les 10, il n'a aucun problème. Sur le rosa monté, les gars, il t'a va, c'est un an qui fait traverser ce péché, effacer nos rédits en cours, petit péché, grand péché, mais il fait ou pas. Mais, les poumégués, c'est les gars de l'INIF avec les 10. Alors, chers frères et sœurs en islam, alors essayez de mettre sa ibadat là en pratique. Essayez, rapprochons-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme une chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait quitter comme l'enseignement. Et afin qu'il nous gagne l'amour, Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم لقد نبدأ صلاة نانوس et collègue qui va faire pour un petit de 2 ans, Yahya Kongo, qui doit avoir la contribution numéro 2, et libérer la guerre contre l'ICMI. Alors tout ça là, encore une fois, pour nous tenter, et ma action qui n'est pas obligatoire, mais c'est moi qui rapporte nous beaucoup récompenses. Et bien sûr, nous rappelons que récompenses, nous rapprochons avec Allah, et nous gagnons l'amour.